T'en vas pas trop près parce que... Oh! Taille-toi! Hey, on est actuellement au Kruger. Je vais vous faire un petit point sur la situation parce qu'il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Hier soir, on est allé se coucher. On s'est levé tôt ce matin pour aller prendre l'avion. L'avion avait 2 heures de retard environ. Ensuite, on est arrivé ici. On a marqué sur le GPS Kruger Park. Et en fait, ça nous a amené genre tout en bas. Parce qu'il faut savoir que le Kruger est vraiment énorme. Je vous montrerai des cartes. Ça nous a amené tout en bas. Et en fait, nous, on devait aller tout en haut pour la première nuit. Et du coup, en fait, on se retrouve dans un bungalow qu'on n'était pas censé être. Mais au final, ils nous ont accepté. On n'a rien payé de plus, donc ça va. Mais du coup, demain, on va devoir traverser tout le Kruger et remonter jusqu'en haut pour faire notre itinéraire normal, en fait. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. On a déjà croisé des singes, on a déjà croisé... Allez, ça va être très sympa cette semaine. De toute façon, vous m'accompagnez. C'est parti. On dirait vraiment des chevaux. Hein. Ils ont pas peur, hein. Salut, ça c'est un petit, ça. Je suis sûr, c'est un petit bobo bidou. T'as le petit petit. Oula, c'est excite. Regarde son cul là devant. Ah, mais elle vient contre, hein. Elle vient contre. Ah, c'est impressionnant. T'as vu la crête qu'ils ont et tout? Putain, c'est incroyable comme il fait nuit. À partir d'environ 6h, il fait nuit comme ça, et là c'est genre 6h30. Ok, donc j'espère que jusqu'à présent ça vous plaît. Je vais pas vous faire trop de vidéos parce que je conduis, enfin on est sur la route, on prend plein de photos, mais les vidéos c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vous fais un point. Donc aujourd'hui, on a beaucoup roulé pour venir au camp où on était censé venir. Du coup, on est fatigué, mais ça nous a permis de voir déjà plein d'animaux et ça c'est super cool, je suis très content. Du coup bah demain on va faire un peu plus tranquille, mais je pense qu'on va voir de nouveau plein de choses. Allez, à demain. Laisse-la passer. T'en vas pas trop près parce que... Oh! Taille-toi! J'ai eu peur, papa! Tu vois, t'as vu comment c'est impressionnant? J'ai eu un coup de stress. Oh putain! Oh putain, ils font peur, hein! T'as vu comment ça fait? Tiens. Enfin, range-la, je sais pas. Oh, ils sont... Je suis en train de trembler. J'ai vraiment cru qu'ils allaient foncer contre la voiture. Je sais pas ce qu'il fait avec ses cornes. Il veut les enlever peut-être. Putain, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je pense qu'il a la rage. Il y a 3 biches là devant moi. Mais je pense qu'elles vont partir quand j'arriverai. Ah là, on la voit. Il y en a 2. Il y a un truc qui m'a volé contre. Salut toi.
les dérange. Ok, donc aujourd'hui, super journée. On a vu beaucoup de choses, sauf le lion. Du coup, bah, on espère que demain, on verra le lion. Le seul, le grand et l'unique. Ça fait chier parce que la journée, il y a des nuages. Du coup, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et là, la nuit, on voit mais toutes les étoiles, quoi. C'est très chiant. Petite statue d'éléphant. Ok, on se dit à demain. Allez, bonne nuit. Ah, bah on la dérange pendant son repas. Ça réagit grave. Pourquoi t'as vu ses couilles? Ouais. T'as vu, il est monté sur son ventre. Même pas le dos. Ah bah il a arrêté. Non, avance tranquille. Le fait de se dire qu'on est dans une jungle, enfin dans un parc naturel, se promener quand il fait nuit comme ça, bah ça fait quand même un peu peur, même si on sait qu'on est à l'abri parce que bon bah il y a des grillages là dans les camps, ça fout quand même un peu les boules quoi. Mais j'aime bien me promener quand même le soir là. Ah, vous voyez, c'est un cactus. Puis c'est tranquille, il y a pas de bruit, il y a rien. Bon, il y avait des bruits de facochères avant. J'ai essayé de voir d'où est-ce qu'ils venaient, mais je sais pas. À mon avis, ils doivent être plus loin. Ils sont partis dormir. Bah, écoutez, aujourd'hui journée un peu spéciale parce qu'on a eu beaucoup moins de chance que hier, niveau animaux. On a vraiment vu beaucoup moins de choses. Du coup, je suis un peu déçu. Il reste encore 2 jours où on va rouler dans la brousse. Ça nous laisse que 2 jours pour avoir la possibilité de voir encore des lions. Parce que là, on en a encore pas du tout vu. J'espère vraiment qu'on va en voir. C'est vraiment l'animal que j'ai trop envie de voir. Aussi léopards et rhino, qui sont compliqués à voir. Mais vraiment, le lion, c'est ce que j'ai le plus envie. Du coup, il reste 2 jours. Demain, ça va être une longue journée parce qu'on va faire de notre camp actuel au prochain camp où on doit être. On va faire que de la route en gravier. Parce que si vous voulez, il y a une route principale en béton et une route un peu en gravier, un peu plus sauvage, on va dire. Et demain, ça va être que ça. Et du coup, ça va être fatigant. On va être crevé à la fin de la journée. Petite anecdote, aujourd'hui, en arrivant au camp, on a voulu aller dans la piscine. Et le seul camp où on se dit on va aller dans la piscine, eh ben, elle était fermée pour cause de travaux. Bref, on espère que demain, on aura beaucoup plus de chance qu'aujourd'hui. On espère aussi peut-être pouvoir aller dans la piscine quand il fait encore jour. Moi, je continue à marcher. Je vous dis à demain. Ok, aujourd'hui, journée assez tranquille, on a fait un grand tour, on n'a pas vu de lion, je suis un peu déçu. Mais bon, on aura quand même vu quelques animaux qu'on avait déjà vu les autres jours, enfin c'est quand même très impressionnant de les revoir, même si on est un petit peu blasé quand même. Ok, donc maintenant, on va aller se faire un petit tour en mode nocturne, parce que j'ai remarqué que l'appareil à mon père pouvait faire des night shots. Du coup, on va aller essayer dans le camp d'aller voir un peu des trucs nocturnes. Enfin, derrière les barrières du camp. Je pense que ça va être sympa. Mais bon, je vais rien filmer avec ma GoPro parce qu'on va rien voir. Du coup, je vous dis déjà à demain. Bonsoir.
pensais pouvoir vous faire un peu plus de vidéos comme ça, comme je suis en train de vous faire maintenant, sauf que c'est un peu compliqué parce que on est vraiment dans la voiture tout le temps. Et dès qu'on voit un animal ou des animaux, on va tout de suite les prendre en photo. Je vais pas penser à les filmer avec la GoPro. Et en plus de ça, ils sont souvent assez loin. Et avec la GoPro, plus c'est loin, moins c'est bonne qualité. Du coup, bah, vous avez pas beaucoup de vidéos comme ça. J'espère que c'est quand même bien ce que vous voyez. Du coup, petit récapitulatif d'aujourd'hui. À la fois déçu et quand même très content. Très content parce qu'on a quand même vu un rhino. Enfin plusieurs, et un peu déçu parce que c'est vrai que j'aurais préféré voir un lion ou un léopard. Mais bon, je suis pas mécontent de ce voyage, ça me fait quand même super plaisir. Là c'est le dernier soir, demain matin on va reprendre l'avion. On aura encore une petite demi-heure demain matin pour peut-être croiser un lion. On croise les doigts, franchement, j'aimerais tellement. Demain on se lève un petit peu plus tard. Ouais ! Dehors ! On va se diriger en direction de l'aéroport et notre premier avion est à 15h normalement. On fait Nelspruit, Johannesburg, Johannesburg, Zurich et Zurich, Genève. Et étant donné que le but d'un vlog c'est que vous veniez avec moi, et bah demain vous allez venir avec moi. Voilà. Donc on se dit à demain. Oh, mais dites, oh! C'est quoi ces bruits? On dirait qu'il dit ouais! Il est 8h12, nous allons partir, j'imagine, dans 5 minutes environ. On va faire 1h30, 2h de route jusqu'à une ville. On va acheter des petits souvenirs qui seront un peu moins chers que dans le parc. Ensuite, une petite demi-heure jusqu'à l'aéroport, on rend la voiture, on fait le check-in et on go back en Suisse. Bien arrivé à l'aéroport. Il est tout petit. Et voilà les gens, on est arrivé à la casa. Je dois avoir vraiment une tête de zombie avec les cernes que j'ai vraiment pas beaucoup dormi de nouveau dans l'avion. Voilà, donc c'est la fin de cette aventure, la fin des vlogs. Je suis quand même content d'être rentré parce que je suis vraiment crevé, je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 cernes. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette aventure, de m'avoir suivi au cours de ce voyage. Bien évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, à aimer tous ces vlogs. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien. Allez, ciao. Yes, see me.